En couture. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today, the chamber continues to hear testimony of witness Bun Lang Choi and begin hearing testimony of another witness, that is through TCW 1012, via a video link in relation to Phnom Krau Security Center. Ms. Ji Su-Wong, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. La présence des parties et autres personnes à l'audience aujourd'hui. Greffier, Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Toutes les parties sont présentes. Mr. Nguyen Chi is present in the holding cell downstairs. Il participe depuis la cellule temporaire. He has waived his right to be present in the courtroom. Il a renoncé à son droit d'être. The waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Bun Lang Choi and Madame Sujita, his duty counsel, are present in the courtroom. The next witness, that is to TCW 1012, will be testifying from Udaok Menchay province via a video link. The witness confirms that through his best knowledge he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is Nguyen Chi and Kyu Sampon, or any of the civil parties admitted in this case. The witness will take an oath before he testifies. Thank you. Je vous remercie. President, thank you. The chamber now decides Merci, on the Madame request by Nguyen Chi. The chamber has received a waiver from Nguyen Chi, dated 29 March 2016, which states that due to his health, headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requires to waive his rights to be present at the 29th March 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chi by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 29th March 2016, which notes that today Nguyen Chi has a chronic back pain and cannot sit for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chi his request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chi can follow. That applies for the whole day. The chamber now hands the floor to the defense team for Nguyen Chi to continue putting further questions to the witness. You may proceed, Maître, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Good morning. Merci, Monsieur le Président. Your Honours. Bonjour, honorable juge. Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le Témoin. Few additional questions that I would like to put to you this morning. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser. Yesterday, ce matin, you gave evidence. Hier. Implying that you were not the deputy vous aviez dit chief of the que vous n'étiez district, pas chef adjoint du district. That as a matter of fact, you were not member of the district committee at all. Et que vous n'étiez même pas membre du comité de district. You were du tout. Deputy chief of the district office. Vous étiez chef adjoint du bureau du what district. Exactly were your tasks as the deputy chief of the district office? What were you doing on a day-to-day basis? Could you just a second, please? Interruption de la juge Fens. President. Le président.
We would like to note on the translation. Nous aimerions constater. Of document E35177 at Khmer 00197860. Du document E35177 en Khmer 00157. Je me trouvais dans le district de Khmer. Before that, I was a deputy chief of Kaisama district office, and my uncle Kaisama was the district chief, and I was his bodyguard between 1971 to 1975. And I was the deputy chief of the office from 1975 to 1977. However, in the English translation, it is rather different from the original Khmer text. In English, la version initiale en Khmer. It's on 00274099. So it is clear in the original Khmer text that he was the deputy chief of the district's office. Thank you, Mr. President. What were your tasks, Mr. Witness, as the deputy chief of the district office? What did you do on a day-to-day basis? I'd like to respond to that question. Réponse. Regarding the works at the office, en ce qui concerne mon travail, including taking the staff to work in the rice fields, je devais conduire le personnel devant travailler dans les rizières. However, we were assigned different tasks. Toutefois, différentes missions nous étaient confiées. Sometimes the chief of the office led the people to build a dam while I was assigned to lead the people to work in the rice fields. However, sometimes we rotated ourselves. That means sometimes I led people to work at the dam while he led people to work in the rice field. À la construction des barrages pendant que lui s'occupait de les amener dans les rizières. Office, la défense. And you, as its deputy chief, have any other tasks? Est-ce que le chef du district, if vous, yes, en tant qu'adjoint, they? Avez-vous d'autres fonctions, d'autres tâches? Si oui, en quoi consistait-elle? But, bơ tam khiem throp a lên thứ đôi chi khmien ka ngie krau pi nung ti. We did not have other tasks. Nous n'avions pas d'autres tâches. Our task was assigned was dependent on the assignment from the district secretary. Nos fonctions dépendaient des tâches confiées par le secrétaire du district. A particular task, si l'on nous affectait à une tâche particulière, alors on devait l'accomplir. And usually it would deal with the agricultural production. Parfois, ces tâches étaient liées à la production agricole. Was the district office, or rather you personally, were ever involved, or were you ever involved district, in vous, en personne, the arrest of anyone? Aviez-vous procédé à l'arrestation de qui que ce soit? We réponse. Did not have such authority. Nous n'avions pas une telle autorité. Did you see question. Ever any communication passing through the district office regarding the arrest of anyone? Au sein du bureau du district, en ce qui concerne les arrestations, avez-vous vu une telle, de telles communications? Yes, there were réponse. Some. Oui, il y en avait. Namely, in 1974, when I was still his messenger, alors que j'étais encore the Krati province informed the district office about the pursuit and arrest of those who were called Khmer Sar. De la poursuite et de l'arrestation de ceux qui étaient considérés comme les Khmer Sar. How about after 17 April 1975? Did you ever see après any le 7 avril 1975, aviez-vous vu une quelconque communication concernant l'arrestation
within de personnes your district. Au sein de votre district. There were not such incidents after 1975. Il n'y avait pas de tels incidents après 1975. And that continued until we were arrested. Et cela s'est poursuivi jusqu'à notre arrestation. Did you ever see in your capacity as deputy chief of the district office de chef adjoint du bureau de district? Communication. Avez-vous jamais vu des communications? Statements or confessions of concernant prisoners. Des déclarations ou des aveux faits par des prisonniers. No, I was not réponse. Aware of that. I never je n'étais pas au courant de cela. Anyone. Je n'ai jamais not interrogé did I have such authority qui que ce soit to do so. À ce sujet et je n'en avais d'ailleurs pas l'autorité. Were you or was question. The district office in any manner whatsoever involved vous ou le bureau de district in the execution of anyone? Aviez-vous été impliqué d'une quelconque manière dans l'exécution de personnes, vous ou le bureau de district? During the time that I was with the district, nothing happened in such a way. Rien de cela n'est jamais arrivé pendant so tout mon passage au bureau de district. Nor the district office was ever involved in the question. Vous voulez dire que vous ignorez que le bureau de district a été impliqué dans l'ordre ou la planification des exécutions? Yes, that is correct. Réponse. Oui, c'est exact. Prior to February 77, the situation there was normal and there was no action of killing. And only after a group of us, that is about 80 people, were arrested, and after that, the killings started. Que les massacres ont commencé. While being a deputy chief of the district office, did you ever see any military communication? Avez-vous jamais vu communication from de communication division militaire 920 de la division to the general 920 staff à l'attention de l'état-major et inversement? Yes, there was one or two instances of such communication, oui, but nothing happened une ou deux after fois that. De telle communication, mais rien ne s'est passé par la suite. Question. À quelle date aviez-vous vu ou vous rappelez-vous avoir vu de telles communications militaires? Somme chimbriep lumetivi na kal dal kongpul nang luk tasin tasoy ni when the division of tasin and tasoy brigade in the Kaisama district there were hon taso and tapo who were in that division qui and était membre they de cette cooperated with Tahom and ils ont Talan coopéré avec Tahom et Talan in during their work. Dans le cadre and de leur they travail. Actually received their work assignment from the sector. Ils recevaient leurs tâches. Later on, I frequently saw Tapo, who tard, was the deputy commander. Qui était commandant he came to communicate with the office about the logistics for the troops in that brigade. And I did not participate in any meeting that troupes. They held with the district with the district committee due to my lower rank. Tenue avec le comité du district, car j'avais un rang subalterne.
I read to you question. Some excerpts hier, je from, vous ai donné lecture de certains extraits. Telegrams containing military communications about Vietnamese incursions in DK territory. Do you remember ever seeing such telegrams pour rappelez-vous, avoir jamais vu at the time de tels télégrammes in your capacity à l'époque as deputy of the district office? En votre qualité d'adjoint du bureau du district. I never heard anything about telegram. Je n'ai jamais rien entendu sur les télégrammes. Have you ever heard question. Of something called Group 7? Avez-vous jamais entendu or the parler d'un certain groupe 7 ou du groupe des 7? Any referral to the word 7? In relation to avez-vous jamais enemy activity? Entendu parler du chiffre 7 relativement aux activités des ennemis? No, I did not. Réponse, non. Je n'en ai jamais entendu parler. You gave testimony question. To the chamber about the alleged fate of hier, former Long Knoll vous avez évoqué military. Le sort réservé aux anciens soldats before du régime de Long Knoll à l'audience, avant de vous demander davantage de détails à if ce you sujet, were not involved at all, je vous poserai la question arrests, suivante. Si vous n'aviez pas du tout été impliqué dans l'arrestation, l'interrogatoire, reading confessions or statements, pour not having seen any executions faire or arracher des aveux how are et des déclarations, you in a si vous n'avez assisté say, à aucune exécution, what comment the fate was, pouvez-vous in relation to, dire quel sort était réservé within the former Long Knoll Army? À certains soldats d'un certain grade what was your knowledge, dans l'ancienne armée de Long Knoll? D'où tirez-vous votre connaissance à l'époque what policy pour affirmer there was. Quel type de politique était mise en œuvre? I was involved in that task since the previous time. Depuis in l'ancien addition, régime, je m'occupais de cette tâche. Those soldiers used to come by my house. En plus, ces militaires there were those low-level soldiers and there were ranking officers, et il y avait including des officiers haut gradés, y compris des colonels. And they were killed in 1973 by the Pol Pot group. And I knew some of them very Pol Pot, well. Et je connaissais très bien certains there d'entre was eux. A meeting in Cognet. Il y a eu une réunion à Cognet. And actually, they fired a Doucet guns from the vehicle to threaten the people, and about 30 of those des armes d'un were arrested menacer, and killed. La population and et 30, this une event une was known to everyone, including exécuté. Children. Cet incident était connu de tous, y compris des enfants. I understand what you're saying, but there was a war question. Going on je comprends ce up vous until dites, 75. Mais so, il y avait une guerre jusqu'en 1975. Une guerre qui était menée. On both sides, il y avait des combattants dans les deux camps each other. My qui s'entretuaient. After 17 avril 1975, about arrests, interrogations, vous ne semblez avoir aucune etc. connaissance des arrestations, des interrogations is your answer et des exécutions. Only limited to pre-75, est-ce que or votre are you also question able to say something est circonscrite à la période what after 1975, avant 1975 ou cette réponse couvre aussi la période post-1975 relativement aux anciens soldats et fonctionnaires du régime de Long Knoll? Le président, un instant, monsieur le témoin, l'accusation. Vous avez la parole. Yes, just an observation. I think counsel is
Again, mischaracterizing the evidence, as witnesses indicated that this province was liberated in 1970. So the war there was over. This witness wasn't talking about soldiers or officials who were killed in combat. So counsel shouldn't be suggesting that to the witness. Le conseil de la défense ne devrait donc pas faire cette suggestion au témoin. I'm not sure. Je ne suis pas sûr de ce que veut dire le procureur. Il y avait encore des combats qui faisaient rage. Et le témoin a parlé d'un bombardement massif américain dans le Ratanakiri et dans le Mondulkiri. Cette province avait été libérée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de combats. Juge Fens, est-ce que vous pouvez poser votre question? Est-ce que les faits dont parle le témoin recouvrent également la période post-1975 jusqu'à 1977? La défense. Monsieur le témoin, vous parliez du sort réservé aux soldats haut gradés. Est-ce que cela s'applique à la période précédente, 1975, ou est-ce que cela recouvre également la période post-1975? Et si c'est le cas, comment le savez-vous? It happened before 1975. Les faits se sont déroulés avant 1975. La défense. At around 4 minutes past 10. Hier, à 10h04, you were talking about the alleged fate of vous avez parlé du sort military qui aurait été réservé at one point in time, aux soldats du régime de l'ONNOL. In the same answer, à un moment donné, dans la même réponse, you switched into talking about purges and cadres. Vous aviez commencé à parler des purges et des cadres. Let me read to you exactly je what vais vous you donner said, lecture de ce que vous avez dit exactement pour que tout soit bien clair. À 10h04, you say, vous and the arrests and killing took place les arrestations only for cadres et les exécutions avaient eu lieu those uniquement pour les cadres positions. En 1975, y compris les commandants militaires occupant divers postes. La purge était menée par filière ou par chaîne de commandement. C'était là ce que vous avez dit, ou du moins une partie de votre réponse, en réponse à la question concernant le sort military. Qui aurait été réservé aux militaires de haut rang du régime de l'ONNOL. It seems the same thing in your DC CAM statement E3/5636 dans votre English ERN 0071207 ERN en anglais 0071 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
réponse. Regarding Division 920, Tassin was the top commander Tassin of that était le commandant division, suprême de la division 920, et Soy était son adjoint. They were the two that I knew, and I je connaissais ces deux personnes, je les ai vus une seule fois, when they came to meet with the quand home, ils sont venus rencontrer Tahom, le comité du secteur. À l'époque, je faisais la cuisine pour les participants de la réunion, aussi de travail de Obunle. Ils avaient quelques messagers et des gens qui les aidaient à faire à manger. Moi-même, j'ai participé à la préparation des repas. J'ai vu Tassin et Tassoy qui étaient venus de Phnom Penh rencontrer Tahom pour évoquer le travail à faire. C'est la seule fois que je les ai vus. In early, plus tard, 77 or later début 77 ou fin 76, I heard that they j'ai were entendu arrested dire qu'ils avaient été arrêtés during a wave of a purge, au cours d'une vague de purge, Kun, so, y compris Kun, So, Peu et d'autres. So, those people in Division 920, to my knowledge, à ma connaissance, many of senior beaucoup people des in that division membres haut placés de la division 920 ont trouvé la mort, bien que je ne puisse pas vous donner de chiffres exacts. Every day, 10 or 20 au chantier of those soldiers from du barrage the division de Obundam, chaque jour, 10 ou 20 soldats de la division and étaient emmenés. That is the fact. Ce sont là des faits. I cannot tell you exactly cela how étant, the je ne peux pas dire exactement comment les exécutions ont eu lieu, ni combien de gens ont été tués. La défense, je comprends bien. Mais apparemment, dans cette déclaration faite au CDCAM, vous essayez de faire une comparaison des grades de Tassin et Tassai avec les grades actuels de lieutenant-major ou lieutenant. Hier, vous avez parlé de cadres qui avaient été victimes de purge. Est-ce que vous essayez effectivement d'établir une comparaison entre les gradés des divisions 920 et 810 et les grades tels qu'ils existent aujourd'hui? Réponse. Answer. I know that in Mundulkiri, dans at the time, le Mundulkiri, there were no à l'époque, more former Lonol soldiers. Il n'y avait pas d'anciens soldats de Lonol. There were people, villagers, but they did not have any issue. And during that period, il the n'avait killing aucun problème. Did happen au cours de cette période, in il relation y a eu des exécutions Khmer Rouge, cadres. Khmer Rouge killed Khmer Rouge themselves. De cadres Khmer Rouge purge qui s'entretuaient. If you want mais to il n'y avait ask pas me de about purge. Former Lonol soldiers, si vous m'interrogez sur whether or not les they anciens killed, soldats I de Lonol, don't think that they si vous me demandez s'ils ont été tués, je ne pense pas, Lonol soldiers car at the time. Il n'y avait But plus de soldats de Lonol Khmer à l'époque, mais en revanche, sous les Khmer Rouges, les soldats se sont entretués. Thank you, la défense. Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. My very last, subject. J'en viens au tout dernier thème de mon interrogatoire. That is something also in relation to, events pre-1975. Il s'agit des événements antérieurs à 1975. That is about, the bombing of Mondulkiri and il s'agit du bombardement américain contre les provinces de Ratanakiri et Mondulkiri. Je vais vous donner lecture d'un extrait de votre entretien avec le DCCAM avant de vous demander des éclaircissements. E3/5636, English ERN 007-11231, Khmer 00042. En Khmer 1231, en Khmer 489-90. Cela se termine par 90 et en français 007-2746. La question est la suivante. Were soldiers the targets for bombardments est-ce or, que les soldats ont été visés par les bombardements? And then
question is et ensuite, la question ne s'achève pas, il y a des points de suspension, et vous répondez, je cite, « Ils ont été visés par les bombardements, toutefois, les villageois ont aussi souffert. » Parfois, les bombardements visaient un village. Dans le village de Kati, des B-52 ont largué des bombes en plein milieu du village. Plusieurs familles ont été tuées. Les bombardements des B-52 ont créé des cratères dont la taille était de deux fois celle d'une maison. Bref, des millions de bombes ont été larguées le long de la frontière. Chaque B-52 avait 200 bombes. À chaque fois, les B-52 larguaient 3 ou 4 bombes. Fin de citation. Vous souvenez-vous avoir dit cela aux enquêteurs, à l'enquêteur du CDCAM? Réponse. Answer. In relation to the U.S. bombing, I can recall that the U.S. bombing started. Les bombardements américains ont commencé en 1969 pour durer jusqu'à 1973, si mes souvenirs sont bons. Au cours de cette période, there were B-52 bombing, rockets, shellings, des B-52 ont pilonné le pays, du napalm a été utilisé également. And I would like to tell the court that the location which which were bombed were at Kornik and PMG Miet, Oliu, Otlai, Kornik, Oliu, Otlai ont été bombardés. And it, the bombing was dropped up to Pechenda, Otlai, Otlai. Les bombes ont été larguées contre Phnom Dam Liu. And then the Khao Sai Ma and Da Dam ensuite were also bombed. Khao Sai Ma et d'autres sites ont été touchés. In 1970, did not happen. En 1970, only close to the location near the border, it happened in Mondulkiri, Deng Trang, il n'y a pas eu de bombardement uniquement près de la frontière, mais également Krachie, Deng Trang, Mondulkiri ont été touchés. Bref, ces bombardements américains ont touché différents endroits. Le village de Tien a été complètement détruit par ces bombardements. The US bombing did not attack it. Ces bombardements the américains soldiers, ne visaient pas les soldats du but Viet Cong. The bombing dropped on the villagers' houses. Les bombes tombaient sur les maisons des villageois. That village, as I said, was completely j'ai cité un village qui était complètement and no one, détruit. Go back. No one went back to reside in that personne village which was destroyed. N'est retourné and y vivre. Now, no one is et à ce jour, in that personne village n'y vit. And in relation to the war between Vietnam soldiers and former Lon Nol soldiers, de la guerre entre les soldats vietnamiens et l'armée de Lon Nol, il y a eu des combats à la montagne de Doc Rom Mom, mais peu de gens ont trouvé la mort à ce moment-là. Les soldats vietnamiens et les soldats Khmer ont été tués pendant la guerre. U.S. bombing, when the bomb was dropped, it would cause troubles to everyone. Les bombardements américains any discrimination touchaient tout le monde sans discrimination. My last question, this, question. A little further down in that, un peu plus bas interview, dans ce même the document is asked, une question the vous est posée, kill civilians cite, or soldiers? Est-ce que les bombardements and ont tué answer, des Vietnamiens, I quote, only civilians des soldats were ou des civils killed. Réponse, none vous dites of the soldiers were seulement killed, des civils ont été tués, aucun soldat n'a été tué, fin de citation. Est-ce que c'est ce que vous avez dit au CDCAM, que seuls des civils ont été tués par le bombardement américain? Réponse. Answer. Khmer Rouge soldiers were not wounded by the U.S. bombing, but les soldats Khmer Vietnamese ont soldiers, or most of them, were killed by the aerial bombing. Ont été tués par les bombardements rarely, Khmer Rouge soldiers were rarely killed or touchés, wounded by that aerial bombing. Blessés ou tués par ces bombardements.
And then my very last question. La défense. Toute dernière question. WRIs, you gave, dans les PV d'audition, statistics as to how many people live in Mondulkiri and Ratanakiri. De la population du Ratanakiri et du Mondulkiri. You were asked a question about that yesterday as well. Question, vous êtes posé là-dessus hier également. Are you in a position to tell how many êtes-vous en mesure de dire combien de civils vivaient dans le Ratanakiri et le Mondulkiri et combien ont été tués par les bombes américaines? But, réponse. Answer. That was the report of the Khmer Rouge in il s'agissait d'informations émanant des Khmer Rouges. Dans le Ratanakiri, 3000 personnes ont été tuées et dans le Mondulkiri, seulement 600 personnes. That was the announcement. C'est ce qui a été annoncé à l'époque. Thank you, Mr. La défense. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Merci, Monsieur le Président. President, thank you. And now the floor is given je vous remercie. To the defense la parole est à présent donnée à la défense de Kyo Sampan qui pourra interroger le témoin. Je vous en prie, maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. President. Bonjour à tous. Bonjour, good Monsieur morning. Le témoin. Good morning, everyone. Good je m'appelle Anta Gissé. Je My suis co-avocat international de Monsieur Kyo Sampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Et ma première série de questions porte sur votre rôle de messager, votre rôle avant 1975. J'ai compris que vous avez été messager à un moment ou à un autre. Est-ce que vous avez bien commencé à travailler comme messager avant 1975? As follows, did you start working as a messenger before 1975? Answer. Frankly speaking, I was his messenger in 1973, actually from 1973 up to 1975. J'étais son messager de 73 à 75, mais pas avant 73. Plus tard, après 75, j'ai été nommé chef adjoint. Dans ma réponse en français, j'ai entendu « j'ai été son messager de 73 à 75 ». De qui parlez-vous? Who were you referring to when you said « his » Answer. I was Kasi's messenger. Le messager de Kasi. Vous êtes né dans le Mondulkiri. Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez toujours vécu dans le Mondulkiri? You had always lived in Mondulkiri. Answer. That is true. C'est exact. Est-ce que dans le cadre du choix d'un messager, la connaissance du terrain et de la forêt était quelque chose d'important pendant que les Khmer Rouges étaient dans le maquis? The forest, was knowing the forest something that was important when the Khmer Rouge were operating on the ground? Answer. On this particular issue, he was satisfied with my performance and he il était content requested de mon travail, the upper echelon to et il a demandé à l'échelon supérieur de m'avoir comme messager. Easy job. Ce n'était pas une tâche facile. My father had trouble with the Khmer mon père Rouge avait eu des problèmes avec les Khmer Rouges et so it was du coup, not easy to il avait have été me tué. As a messenger. Il était he was donc my uncle, difficile and de m'avoir comme messager. C'était mon oncle he went to the upper echelon to et ask c'était me to délicat be his messenger. Pour lui de s'adresser and à l'échelon supérieur pour m'avoir comme messager. From familiar with all the en effet, geographical location in Mondulkiri. Je venais d'une so famille that de la région, le Mondulkiri. His desire to have me as his messenger. Et c'est pour cela qu'il voulait m'avoir comme messager.
Je vais vous demander, monsieur le témoin, de faire l'effort de bien écouter les questions que je vous pose. J'essaye de les faire les plus précises possibles. Donc, est-ce que je dois bien comprendre de votre question, de votre réponse, pardon, que la connaissance du terrain était un des critères de choix d'un messager? Answer, that is not correct. Ce n'est pas exact. He selected me to be a messenger. Il m'a choisi comme messager parce que je faisais partie de sa famille. Et est-ce que vous connaissiez bien la région dans le Mondulkiri? Et là, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, dans votre entretien avec le CDCAM, document E3-5636, à l'ERN en français 00727140, à l'ERN en anglais 00711225, et à l'ERN en Khmer 00042483, vous expliquez que vous avez fait beaucoup de voyages, et voilà ce que vous dites. Moi, à l'époque, j'étais quelqu'un de puissant et de courageux. J'étais très fort pour les voyages dans la forêt. Je connaissais très bien la route pour aller au Vietnam. C'est ce que les gens disaient, parce que je faisais des allers et retours. Donc, je connaissais tous les endroits par cœur. Fin de citation. Donc, ma question plus précisément est la suivante. Est-ce qu'il est exact de dire que vous connaissiez bien la région et que vous pouviez bien circuler dans la forêt? Et est-ce qu'il est exact de dire que vous connaissiez bien tous les endroits par cœur? C'est exact. I know very well all location in that Je province. Connais très bien cette province. Et vous connaissiez bien également Konik dans cette province? Did you also know Konik in that province? Konik in that province very well. Le district de Cornier était mon district natal. D'accord. Donc, lorsque hier, monsieur le coprocureur vous a posé des questions sur un ruisseau. Very well. Yesterday, the co-prosecutor put alors, a question désolé to pour you ma prononciation en français au document E3-6760. À l'ERN 01213545. À l'ERN, donc en français, que je viens de citer, l'ERN en anglais 01194793. Et à l'ERN en Khmer 00586074. C'est le document que monsieur le coprocureur vous a présenté hier lorsque vous avez dit que vous ne connaissez pas de ruisseau du nom de Old Pearl. Et pour les interprètes, s'ils n'ont pas le document sous les yeux, en français, ça s'écrit O, plus loin, L-P-O-V. Donc vous qui connaissez bien le district de Konik, vous indiquez ne pas connaître ce ruisseau. Est-ce que vous savez si ce ruisseau se trouve ailleurs, dans un autre district, dans une autre province? Est-ce que vous en avez connaissance? Answer. I have a doubt. There is no Je ne suis pas certain. Olopo stream in Il n'y a pas de ruisseau Olopo dans le Mondulkiri. To mention in Cornier district. There is no such Sans même parler du district de Cornier. Il n'y a pas de ruisseau de ce nom dans le Mondulkiri.
Toujours à propos du Mondulkiri, nous savons que c'est une province où il y avait différentes minorités ethniques. Ma première question est de savoir est-ce que, en dehors du Khmer, vous parlez d'autres langues. Je connais le Phnom, le Lao et le Jarai. And I know how to speak other languages, but not very well. Je parle aussi d'autres langues, mais pas très bien. Et est-ce que pendant la période du Cambodge démocratique, vous avez parlé ces différentes langues? Period. Did you speak those different languages? During Khmer Rouge time. À l'époque des Khmer Rouge, I could speak any other languages as I wanted. Je pouvais parler la langue qui me plaisait. Il n'y avait aucune interdiction. Est-ce que vous vous souvenez parmi les cadres Khmer Rouge pendant le Kampuchea démocratique, s'il y avait des cadres qui étaient de différentes minorités ethniques? Et si vous vous en rappelez, est-ce que vous pouvez donner un certain nom et préciser leurs origines ethniques, si vous vous en souvenez? Answer. In the entire province, there were different dans toute cette province, ethnicities. Il y avait différents groupes ethniques. And there were Laotian, il y avait Tumpuan, des Laotiens, des Tumpun, des Phnong, and Jarai, et des and some Jarai. Quelques Jarai. Et ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des cadres qui étaient de différentes origines ethniques et lesquelles? If there were cadres from the different ethnic groups, and if yes, who were they? But home? 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 Or alias? Ahomelang? Alias Ahomelang? The father was Lao. Avait un père Lao mother was Jarai. Et une mère Jarai. Lang, the mother was pour Lang, sa mère and était Tumpung. Kasi was ethnically, quant à Kasi, il appartenait à l'ethnie des Phnong. Svai, Jarai. Quant à Svai, Svai il was était Jarai. Jarai. Lang was ethnically Lang Jarai as était well. Aussi Jarai. And Lang was et Lang mixed race of Jarai and Phnong. Était so I cannot un mélange describe de Jarai all the et de Phnong in relation to their family background. Je ne peux donc pas donner tous les détails relatifs à leur histoire familiale. Et Bouli, vous vous souvenez de how about Bouli? Quelles origines elle était? Do you know the ethnicity of that person? The ethnic origins of that person? Bouli, batam khyom swal kot kot. He was in PM Jimien village commune and district Mondulkiri province. De ethnically, he was Lao. C'était une personne Lao. Un autre point que je voudrais aborder avec vous. Another point I would like vous avez à un moment évoqué Tassaroun. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Quel était can you tell son us poste about him? Exactement, et quelle autorité il avait. Position, his specific position, and what authority did he exercise? But Tassaroun got the bomb. Answer. At first, Tassaroun was the secretary Tassaroun of Pichana district. A d'abord été le secrétaire d'un district dont le nom and a échappé from aux interprètes up et à compter de 73 et jusqu'à 75, il est devenu membre du comité du Mondulkiri. The killing each other of Lang and Kampun, he
came to Après la mort de Lang à Kampun, il a remplacé Lang. At that time, there were killings, many killings. À l'époque, il y avait beaucoup d'exécutions. And perhaps it was after one or two months that he was promoted to replace Lang. Il a And remplacé Lang in that position less than a year, then il a occupé cette fonction moins d'un an, car ensuite, happened. La libération du 7 janvier est survenue. Une précision pour peut-être l'anglais et le français. Vous avez dit qu'il a d'abord débuté en étant secrétaire de district. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du district? He was district secretary for a start. Can you give us the name of that district? He was secretary of Pechana district. Secrétaire du district de Pechana. À quel moment est-il venu remplacer Leng? Est-ce que vous vous souvenez de la date? At what time did he come to replace Leng? Can you recall the date? It was in late 1977, probably, fin or 77, early 1978. Ou début 78. Est-il exact de dire que à cette date vous étiez, vous travailliez sur le site de Royar? On the Royar work site. Answer: Yes, I was at Royar. Effectivement, j'étais à Royar. Est-ce que vous avez eu des interactions directes avec Tassaroun? Did you have any direct interactions with Tassaroun? Answer: To my observation, when I fell ill, I requested to be Quand hospitalized. Je suis tombé malade, j'ai demandé à être hospitalisé. Tassaroun he had a est venu letter me with chercher. Him at the time. Il avait sur lui I une lettre. Asked to fill in my name On m'a demandé and d'inscrire mon nom et d'autres données and personnelles. The seal or the stamp was sealed. And the name was put on Le document letter. A été scellé et un nom a été so inscrit sur the la lettre. Work site, I had to focus on my work at the field. Sur le site de travail, j'ai dû travailler. Freely. Je ne pouvais pas me déplacer librement. Because there was a request from the office chief le to chef send du bureau me to a hospital. That's why I was allowed to go back to the hospital. À l'hôpital, But the content of the letter was to set me free. So la lettre I était destinée thought that à me I was libérer, allowed to be free. Et donc je pensais pouvoir me But at the librement. Time, the letter was handed la over to me, and I was asked to fill in my name. Mon nom. That letter was typewritten. Cette lettre était tapée à la machine. And the seal has something to do et with Tassaroun, so I realized at the time that he became, et donc c'est ainsi que j'ai compris qu'il était devenu of a district already, and that letter was the purpose of that letter was to ask permission so that I could be sent to the hospital. Contenait une demande d'autorisation de m'envoyer à l'hôpital. Dans votre déclaration E3/8749 à l'URN en français 00727266661 à l'URN en anglais 00715750 et à l'URN en Khmer 00711942. Voilà ce que vous dites à propos de Tassaroun. Après que Tassaroun a succédé à Taleng, il y a eu beaucoup plus d'arrestations que sous l'autorité de Taleng parce qu'ils se sont vengés des uns des autres en arrêtant les cadres proches de l'ancien secrétaire de la région. Par conséquent, en tant que secrétaire de la région, Tassaroun pouvait décider les arrestations.
on whom to arrest. Fin de citation. End of quote, free translation. Ma question est de savoir quelles sont vos sources pour indiquer que Tassaroun pouvait décider les arrestations for you to state that Tassaroun could decide on the arrests, qu'est-ce que vous voulez dire and what do you mean par « ils se sont vengés des uns des autres » sought revenge, from each other. Answer. I would like to clarify this point réponse. For the court. J'aimerais éclaircir ce point pour la chambre. After Ta Kampoon had killed Talang, après que Ta Kampoon eut tué Talang, at the time that Jun was the younger in-law or brother-in-law of était le jeune beau-frère Lang, de Lang, and he went around to inform everyone in work sites il est allé informer tout le and monde cooperative. Sur, and later, le camp de it was said that he replaced his elder brother-in-law. A few days later, he was arrested. Quelques jours during plus tard, the fighting between Kampoon and Hom, the network of Kampoon et Lang, the Hom was on sea. And another individual. La filière de and at the time, Kampoon I did not know engagé, whether that the members of Hom was assigned by the upper echelon to replace or to hand to get other tasks to perform. After that fighting, the situation was chaotic. Kampoon network was arrested. La situation était chaotique. There were many cadres from the network of Kampoon, Ta Jun, Ta Kampo, Ta Van Kam, Ta Ara, Boli Bolai. These individuals were in the network of Kampoon. So many of them had been arrested, hundreds of them, I could say. But some of them survived the arrest. Certains d'entre eux ont survécu aux arrestations. Perhaps 80 of individuals in Kampoon's network disappeared. Tansarat, Takon, Kang were also arrested, but later on they were freed. Puis libérés par la suite. In the previous interview, Toja was mentioned by me in that document, and he was also killed. All of them were cadres. J'ai parlé dans ce document et il avait également été tué. Ils étaient tous namely, des cadres. They were chiefs of officers, or they were parts of battalion, on faisait regiment. Partie des bataillons, des régiments. And as for Ra, he was the deputy secretary of a district. Ra Bolai, who was the chief of a hospital in the sector, were also arrested. Boli, who was also in charge of the sector hospital. Later on, he was assigned to be in charge of Cornier District Hospital. Transféré à l'hôpital du district de Cornier par la suite. So, allow me to tell the court that the revenge between the two groups of individuals happened. Revenge did happen. Avait eu lieu. Kampoon il y avait effectivement eu des actes de vengeance. Fought or smashed Ta Horn because his child was killed by Ta Horn. Kam, his name was Kam. Kasi was first arrested. Yun was the chief of the office of Kampoon. Kampoon a d'abord été arrêté. Yun était le chef de son bureau. Was indoctrinated by Yun. Introduced into the party by Kasi. A été introduit dans les rangs du parti par Kasi. So usually there was inductor introduce individual into the party. Il y avait cette procédure I said, qui consistait à faire adhérer if, au parti the network, certaines members personnes. Of one network et si were arrested, les membres d'un all of them étaient arrêtés, et tout le monde cannot be freed, à ce réseau could not be freed, rather. Et ne serait and être at the time, George was elected to be handle some tasks. À l'époque, Monsieur le témoin, sélectionné witness pour accomplir certaines missions.
Excusez-moi, monsieur le témoin, je suis désolé de vous interrompre comme ça, mais vous faites de très longues réponses. Et c'est un petit peu compliqué à suivre. Donc, je vais vous demander encore une fois de faire très attention aux questions que je vous pose et d'essayer d'y répondre le plus brièvement possible. Vous avez donné un nombre d'informations extrêmement important. Je vais essayer de faire un petit découpage. Vous avez parlé de l'arrestation de 80 personnes. Au moment de l'arrestation de ces 80 personnes, où étiez-vous et quel poste occupiez-vous ? Est-ce que vous étiez déjà à Royar ou est-ce que vous étiez encore en fonction ? But I was still at Rojo. They actually came to arrest us at Rojo. Ils sont venus effectivement nous arrêter à Royard. Because of the Kampun's network, Chantan's families and relatives were also arrested. Chantan, l'élément de sa famille, avait également été arrêté, y compris ses enfants. For people at Bun Kram, they were also arrested. Les personnes à Bun Kram avaient également été arrêtées. Encore une fois, je suis désolée, mais notre temps est compté, donc je vous demande de bien répondre précisément à ma question. Ma question originelle était, est-ce que vous étiez encore à Royard ? Vous m'avez répondu, je n'ai pas besoin de plus pour le moment, je vais vous poser ensuite des questions complémentaires, mais je voudrais qu'on aille pas à pas pour que ce soit bien clair pour la Chambre et les parties. Donc, vous étiez sur le site de travail de Royard lorsque ces arrestations sont intervenues. Est-ce que vous avez su qui était à l'origine de ces arrestations ? Et si oui, de qui s'agissait-il ? Et vous vous arrêtez d'abord là. Est-ce que vous savez qui et de qui il s'agissait ? Vous me donnez un nom et je vous poserai des questions supplémentaires par la suite. The arrest happened after Hom and Kampun. Les arrestations sont intervenues since senior people had been arrested. Après Hom et Kampun. And it was Sarun étant donné and Sophie who were arrêtés, in a higher position. Sarun however, Sophie at the time had not yet been arrested. Mais Sophie n'avait pas encore été arrêtée. So I did not know who actually made that decision, whether Sarun or somebody else. La décision à l'époque était Sarun ou quelqu'un d'autre. Je ne saurais from le dire. What I heard, there was a meetings among the committee entendu, because such a decision could not be comité, made by an individual. Ne saurait être prise par une seule personne. It means it is a combined decision of all members of the committee. Collective de tous les membres du comité. And all you can pinpoint through the most senior person mais within on the peut committee. Attribuer la responsabilité de la prise de décision au cadre de ce comité. President, Mr. Witness, you are reminded once again to respond precisely to the point raised in the question and advice by counsel. And please don't provide any hypothetical response. You should only say what you knew. And if you don't know, please state so. That is also a kind of a response. Rather than to make a predictive or lengthy response. Et cela counsel, you may continue. De faire des réponses, de donner des réponses longues et hypothétiques. Maître, vous avez la parole. Avant la pause, Monsieur le Président, une before dernière break, question de précision sur ce point. Like to have a last question of, vous clarification avez regarding this point. Tassaroun you spoke about Sopir, Tassaroun and about Sophia, mais vous avez également confirmé qu'à cette époque-là, vous étiez then, à Roya. You were at est-ce Roya. Qu'il est exact de dire que so vous ne savez pas exactement exactly qui a pris la décision et que c'est vous decision. Qui en avez conclu par rapport à you, des éléments que vous avez entendus par la rumeur ou du oui-dire based on rumors. Bartram Trauma.
Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Monsieur le Président, si Mr. President, if you wish to take the break now, we may do so. Thank you, Councillor. It is now le convenient for us to start the break. We take a break now and resume at 10:30. Une courte pause pour reprendre à 10h30. Officer, please assist the witness during the break time. La Chambre prie les audiences de prendre soin du témoin pendant la pause et le ramener aux côtés de l'avocat de permanence dans le prétoire à 10h30. Suspension d'audience.